Voilà. Mais ici, dans 5 minutes, ça va être bien rempli. Il s'est passé à l'attaque là. Miam, miam, miam. Alors, pour la petite histoire, j'ai posté la vidéo de mon intervention à Varennes Jarcy. J'ai envoyé la vidéo à la mairie. Et bien sûr, l'apiculteur n'a pas manqué de laisser un message sur la vidéo, en disant qu'il était furieux. Visiblement, il a pas vu la vidéo, il a dû la lire en diagonale. Donc je lui ai répondu pour le rassurer, pour dire que tout allait bien sur son rucher. Et puis voilà, et la dame m'a rappelé ce matin, enfin pas rappelé, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était tout à fait rassurée des ruches et que tout allait bien et que donc voilà, donc elle ne touchera plus aux ruches. Donc en fait, la mission est remplie puisque la dame est rassurée, elle n'ouvrira plus les ruches et donc les ruches seront en sécurité. Donc c'est bien. Voilà pour l'intervention d'hier qui a ruiné mon après-midi, mais je pense que c'était pas inutile. Ça a servi à quelque chose. Je vais mettre celle-là au fond. On va voir si ça reste plus humide longtemps avec le candy. C'est ce que j'espère. Mais de toute façon, je crois que les abeilles mangent le candy et mangent plus d'eau que de sucre, et c'est pour ça que de toute façon le sucre va sécher. Je suis presque sûr. Elles aspirent l'eau. Voilà encore une abeille complètement noire. Hop. Une deuxième abeille noire. C'est génial quand même d'avoir autant d'abeilles noires à partir d'une seule colonie. Qui d'ailleurs, à mon avis, n'est plus noire. La colonie d'Ouessant, je pense qu'elle est. Elle n'est plus noire. Elle a été. Elle a essaimé. Par contre, elle a laissé des traces parce qu'il y a des abeilles noires partout. Donc je pense que. Je pense qu'il y a pas mal de colonies qui ont dû se renouveler. Sur cette base, ce qui est complètement génial. Là, c'est inespéré. Allez, je continue.
En fait, c'est une pâte qui a l'air un peu intermédiaire entre un sirop et du candy. Ben, c'est du candy un peu souple. C'est bien, je trouve. C'est bien hydraté. C'est bien. Bon allez, je vais faire une pause, je vais mettre un peu de Candice devant les portes de toutes les ruches, et puis je vais reprendre. Petite pause. Ouais, le plan. Je vais essayer de scotcher ici. Bon, je passe gaffe parce que les abeilles, même pas. Elles sont vives. Donc je vais poser le téléphone et je vais essayer de scotcher au moins en bas. Bon, ça va, elles sont pas du tout agressives, ça va, elles m'ont oublié depuis l'autre jour, c'est bien. Et voilà, c'est scotché. Elles vont chercher la sortie pendant longtemps, elles vont essayer d'entrer pendant longtemps, elles finiront par passer par devant. Voilà, c'est super. Ça, cette histoire d'ouvrir à tout vent, c'est pas génial. Hein. Si on le fait, il faut vraiment pouvoir refermer super vite. Sinon, c'est compliqué. Hein. Le gars qui redécouvre à quoi sert les ruches, quoi. À quoi sert les trous dans les ruches. C'est bien. Hein. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Ok, c'est bien. Là en bas, je vais faire pareil. Et voilà. Ça c'est un scotch qui colle pas fort, on sait bien, ça va pas engluer les abeilles, il n'y a pas de risque. Allez, encore un coin ici là. Encore ici en bas, ici c'est fait. Encore ici. Et c'est bon. Voilà, c'est sûrement suffisant comme ça. Ici, là, elle rentre par le toit. Il manque un couvre-cadre là-haut. Il faudrait vraiment que je m'en occupe. Je vais mettre un couvre-cadre. Bon, le couvre-cadre, ça va être plus chaud. Je vais faire une pause. Ça va falloir que j'en fume, mais je pense que là, elles vont se fâcher. Je fais une pause. Je cherche un couvre-cadre et je le pose. Voilà, j'ai un couvre-cadre que j'ai brûlé.
J'ai récupéré, j'ai bien brûlé le couvre-cadre. Je vais pouvoir ouvrir ce toit, enfumer, mettre le couvre-cadre et me débiner. Allez, je pose ça ici. Je mets le gant, j'ai un tiret. Je pensais qu'il y avait pas de couvre-cadre. Je sais pas pourquoi. L'autre fois, dans la panique. Mais si, il y a un couvre-cadre et il y a tout ce qu'il faut en fait. Donc ça va. Elle réussit à rentrer par en haut. C'est ça qu'il faut que je bouge. Voilà. C'est tout. J'ai juste à mettre du scotch ici, là. Et ça sera bon. Allez. Je me lance. Ça vole de partout. Bon, elles sont pas agressives. Je vais enlever le gant et je vais essayer de mettre le scotch.